tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine du 4 au 10 juin 2018. Alors pour ceux qui avaient vu la vidéo de présentation de l'oracle La Maîtrise de l'Amour, je vous disais que j'allais bientôt avoir un petit chaton qui allait arriver à la maison et j'avais dit que je le présenterais. Donc voilà, je vous présente Crispy qui est arrivé à la maison le week-end dernier et qui est tout mignon et qui aime bien s'amuser. Voilà. Alors cette semaine j'ai choisi de travailler avec l'oracle La Réponse est simple pour le sujet principal de la semaine. Et la bonne nouvelle c'est qu'on a obtenu une carte positive puisqu'on a obtenu la carte Offrez-vous le meilleur. Donc cette carte elle vient nous parler du fait que les énergies de cette semaine vont nous obliger à nous rendre compte de toutes les fois où nous sabotons nous-mêmes nos chances d'être épanouis. Soit parce qu'on ne se donne pas les moyens suffisants d'avancer, soit parce qu'on fait des choix pour ceux qui sont raisonnables et pas pour ceux qui nous permettent d'être en joie, soit parce qu'on va vous demander de travailler sur les blocages un petit peu importants de votre vie qui résultent de vos croyances. Par exemple, si vous avez envie de déménager dans une maison plus confortable et que ça n'arrive pas, peut-être que les conditions de vie risquent de vous apparaître encore plus compliquées que d'habitude. Si vous êtes célibataire et que vous en avez assez, la solitude peut vous peser un petit peu plus, etc. Enfin voilà, les choses peuvent être un petit peu exponentielles, si c'est nécessaire bien sûr, pour que vous en arriviez à faire le travail de vous autoriser le meilleur. L'idée, c'est de réussir cette semaine à croire profondément à ce que ça résonne juste quand vous vous dites « Je mérite d'être épanouie, je mérite d'avoir les meilleures conditions possibles pour pouvoir vivre une vie qui me convient et qui me correspond. » Voilà, cette semaine, on va vraiment nous demander de nous concentrer sur notre droit à être épanouie. Il y a l'idée que notre libre arbitre change beaucoup de choses dans notre quotidien et que parfois on se met beaucoup de limites, beaucoup de croyances nocives et que toutes ces croyances-là, ben, elles nous empêchent de réussir à attirer dans notre vie ce qui nous convient le mieux. Et depuis quelque temps, tout ce qui ne nous convient pas est un petit peu exacerbé. Et bien là, cette semaine, il va falloir prendre en main les changements qu'on veut voir advenir en arrêtant de faire traîner les choses qui sont à régler. Et en passant du temps à cultiver une estime de nous-mêmes qui soit positive pour pouvoir obtenir ce qu'on veut dans la vie. Voilà, donc c'est vraiment une semaine qui est faite pour faire avancer les choses dans le domaine où vous avez l'impression d'être à l'étroit. Et ça va passer par regarder les choses autrement, vous estimer méritant d'une façon différente qui soit beaucoup plus libre, beaucoup plus positive. Donc si vous avez un objectif que vous n'avez pas encore atteint, cette semaine, le fait de travailler sur la manière dont vous y pensez, dont vous y réfléchissez et sur les dogmes de croyance que vous entretenez, ça va être la bonne chose à faire. Donc voilà, s'il y a des choses que vous fuyez, elles risquent d'être encore pires cette semaine. Et si par contre vous êtes dans une démarche de réussir à vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer, vous risquez d'avoir des solutions et des opportunités. Alors bien sûr, si vous êtes plutôt à la fin de ce travail-là, avec cette carte-là, il se peut que vous ayez de belles choses qui arrivent. Ça peut être partagé avec vos amis parce que vous aurez choisi ça plutôt que de rester tout seul à la maison, comme ça peut être avoir une opportunité de déménagement, une opportunité de changer de travail pour faire quelque chose de plus épanouissant. Enfin voilà, pour certains, cette semaine, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter et qui seront à saisir. Mais voilà, c'est une semaine où tous les choix que vous avez à faire, il faut les faire en vous demandant qu'est-ce qui me procure le plus de paix intérieure et de joie. Voilà, c'est ça qui doit être votre guide cette semaine. Donc j'en profite pour vous dire que si vous avez des blocages, des choses que vous n'arrivez pas à changer dans votre vie et que vous souhaitez travailler tout ça, c'est le bon moment pour faire ce travail-là. Si jamais vous souhaitez une consultation pour vous aider dans ce sens-là, vous m'envoyez un mail à lacarteauxétoiles@gmail.com ou un message via la page Facebook de La Carte aux Étoiles et je vous réponds dès que je peux avec plaisir. Alors, je vais regarder maintenant ce qui se passe au niveau du tarot. Oui, alors j'ai oublié de vous dire, ça peut être aussi une semaine de festivité, une semaine aussi où il faut sortir de la privation
qui vient de la culpabilité pour retrouver le plaisir de profiter de la vie. Voilà, si par exemple vous avez des problèmes avec le fait de faire des choix parfois juste pour le plaisir, ça va être quelque chose qui va être possible de travailler aussi cette semaine par ce que les énergies vont vous apporter. Donc on a une semaine qui peut être très lumineuse à condition qu'on se l'autorise. On travaille vraiment sur s'autoriser le bien-être cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on a là? Oh ben dis donc, on a deux arcanes majeures. Alors la première qu'on a, c'est celle-ci, la voyante, qui correspond à la carte de la grande prêtresse. Bon voilà, on a quand même avec cette carte-là, cette idée, donc c'est la grande prêtresse, l'idée d'aller regarder ce qui est caché au fond de nous depuis longtemps. Donc il se peut que vous ayez des informations ou des opportunités que vous attendez depuis longtemps qui arrivent. Il se peut que vous ayez des choses à l'intérieur de vous, que vous avez, comment dire, un peu mis de côté, un peu fui, qui remontent à la surface pour être réglées. Et il se peut aussi que vous trouviez des solutions créative pour régler des problèmes qui viennent cette semaine. Donc c'est une semaine où on peut aussi, par le fait de décider de prendre la vie du bon côté, de regarder plus ce qu'il y a comme notion de plaisir que comme notion d'obligation, ce qu'il y a comme notion d'avancer vers son objectif plutôt que les difficultés ou les choses qu'on n'a pas envie de faire pour y arriver. Voilà, le fait de regarder ce qu'il y a de bien, ça peut nous aider, nous motiver pour continuer à avancer, et on va pouvoir se découvrir des nouvelles ressources, des nouvelles manières d'appréhender la vie, les événements, etc. Ça peut être aussi une ouverture de conscience plus grande, plus d'intuition, avoir accès à une partie de nous-mêmes qu'on n'avait pas utilisée et qui nous permet de progresser. Voilà, avoir accès à une opportunité qui était cachée jusqu'à présent. Donc voilà, soyez attentifs cette semaine parce qu'il peut y avoir des opportunités qui se présentent. Et notamment, ça passe, le fait qu'elles se matérialisent et qu'elles arrivent, ça passe vraiment par cette notion de, à l'intérieur de vous, là où c'est caché, là où personne d'autre que vous ne peut aller voir, comment vous pensez, comment vous croyez et comment vous réfléchissez. Donc essayez d'être positif vis-à-vis de vous-même, d'être aimant vis-à-vis de vous-même, et de faire en sorte que le monde dans lequel vous vivez, votre petit monde à vous, celui que vous créez par vos choix, soit de plus en plus lumineux et positif. Donc il peut y avoir aussi des dilemmes avec des choix à faire cette semaine. La carte centrale, c'est la carte du courage. Donc là, on a... j'aime beaucoup cette carte. Regardez, on a la ruche avec les abeilles qui fabriquent le miel, etc. Et on a une vieille dame qui, parce qu'elle a compris quel était le rôle des abeilles, parce qu'elle a appris à les aimer pour ce qu'elles sont, ne les craint pas. Donc on a vraiment cette idée de réussir à dompter nos peurs, à dompter nos habitudes ou nos instincts de protection trop grands qui nous maintiennent dans une routine, même si elle est inconfortable, pour avancer. De toute façon, ça fait quelques semaines qu'on est vraiment dans une période qui nous met face à tout ce qu'on a à changer, pour pouvoir aller maintenant vers un épanouissement beaucoup plus grand. Donc là, on a deux arcanes majeures, donc on est sur une semaine qui va nous permettre de travailler profondément sur nous-mêmes et qui va très certainement nous apporter matière à réfléchir. Et l'idée, c'est de réfléchir avec son intuition. Pour pouvoir trouver le courage de continuer à avancer, à réfléchir vers ce qu'on veut, eh bien, on a besoin d'une motivation. Et la motivation cette semaine, c'est le fait de croire qu'on mérite d'obtenir les meilleures conditions d'épanouissement pour nous-mêmes dans n'importe quel domaine que ce soit. Voilà, donc on a vraiment cette idée d'aller affronter finalement les changements qui sont nécessaires, de vraiment s'atteler à la tâche pour être le plus possible dans l'amour, dans l'accompagnement de ce qui va bien dans notre vie, et réaliser aussi que pour pouvoir avoir le meilleur dans notre vie, parfois il faut faire du vide. Donc ça peut être aussi régler certaines choses qui traînent pour faire de la place pour que l'énergie puisse circuler plus facilement. Ça peut être aussi couper certaines relations qui n'ont plus rien de positif à vous offrir. Ça peut être accepter que certains cycles soient finis pour ne pas rester accroché dans le passé. On a vraiment cette idée de préparer un renouveau en lui faisant de la place. Donc, s'ouvrir à une vision des choses positives pour pouvoir voir notre vie s'améliorer. Et la dernière carte que j'ai, c'est celle-ci, le 7 de la cour d'hiver, donc qui correspond au 7 d'épée.
Et là, on a une idée de se rendre justice à soi-même en sortant des dogmes, en sortant de ce qu'on a voulu nous imposer pour aller vers ce qui à l'intérieur de nous sonne juste et vivre, réfléchir, penser et affirmer en fonction de ça. Si par exemple, vous, je sais pas moi, vous vivez dans un endroit, pour reprendre cet exemple-là qui ne vous convient pas, et que vous avez eu tendance à vous dire c'est peut-être parce que le marché est trop difficile ou parce que j'ai pas encore réussi à faire telle ou telle chose, etc. En fait, vous trouvez toujours des justifications au fait que la situation n'évolue pas positivement. Et bien cette semaine, on va vous demander de sortir des règles établies qui vous maintiennent dans quelque chose de négatif pour finalement vous dire que vous aussi, vous méritez votre part. Si jamais vous avez des droits à faire valoir, si vous êtes dans l'attente que certaines personnes soient justes, reconnaissent leur tort ou d'obtenir réparation par rapport à quelque chose, ça peut arriver cette semaine et en tout cas, il faut défendre vos intérêts cette semaine. Voilà, on a vraiment cette idée de se créer les meilleures conditions de vie possibles parce que vouloir finalement les conditions de vie les plus épanouissantes pour nous, c'est vouloir se donner les meilleures conditions pour donner le meilleur de nous-mêmes et en faire profiter les autres. Donc cette semaine, on réfléchit encore à cette notion de charité bien ordonnée commence par soi-même. On ne peut donner aux autres que ce qu'on a et on ne peut accompagner les autres sur le chemin de l'épanouissement que si on en a fait l'expérience. Donc que ce soit par altruisme ou par besoin de voir votre vie devenir beaucoup plus fluide, réfléchissez au fait que voilà, quand vous êtes à l'écoute de ce qu'il y a de caché à l'intérieur de vous, que vous acceptez de voir plus loin que le conscient, de voir plus loin que ce qu'il y a sous le bout de votre nez, mais de vous reconnecter à quelque chose de plus grand, à une plus grande philosophie de vie ou à vos intuitions, vous allez être amené à regarder votre entourage et les choix que vous faites avec les yeux de l'amour, avec les yeux de la joie et avec les yeux aussi de l'acceptation de qui vous êtes réellement. Et tout ça va vous permettre de vous libérer de certaines habitudes, de certaines fausses croyances, de certains dogmes pour finalement aller chercher maintenant ce qui vous paraît être juste. Pour vous comme pour les autres. Si vous êtes la personne qui empêche quelqu'un de prendre son envol, si vous avez les moyens d'aider les autres et que vous ne vous en servez pas, cette semaine, ça va être bien de tester le partage. C'est quand même une semaine là où chacun doit prendre conscience que tout le monde a le droit de s'épanouir, d'avancer et que la compétition entre les gens ne sert à rien. Si vous êtes en train de vous occuper de vous, de votre chemin de vie et de votre épanouissement, il n'y a pas de raison pour que vous rencontriez sur votre chemin des gens qui vous en empêchent. Si vous avez plein d'obstacles sur votre route et que vous avez des relations compliquées, c'est parce qu'au lieu de vous préoccuper de votre bien-être, vous vous préoccupez de comment ça se passe chez les autres. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut cette semaine réussir à dire à soi-même que chacun a le droit au meilleur et que le meilleur selon qui on est, selon notre individualité n'est pas la même chose. Donc chacun a droit à sa juste place et à ses expériences. Donc si vous avez tendance à vouloir cacher des informations pour manipuler la vérité, c'est le moment de changer d'attitude pour pas que ça se retourne contre vous. Voilà, donc on a une semaine où finalement on met les choses à plat et où on fait en sorte de créer un égrégore positif où chacun cherche à s'épanouir et à donner ce qu'il a de meilleur pour que tout le monde puisse avancer positivement. Donc c'est une semaine de liens, une semaine de joie, de célébration, de libération aussi. Et c'est une semaine aussi où il faut avoir le courage de vos propres opinions, de vos propres envies. Attention quand elles répondent à vos besoins d'épanouissement et pas à vos besoins d'un ego qui veut briller plus que les autres, hein, parce que là ça marche pas. C'est peut-être le bon moment aussi pour faire la différence entre les deux. Mais voilà, on a vraiment cette idée d'aller de l'avant dans une manière de vivre les choses où on se sent en accord avec nous-mêmes et on se soucie beaucoup moins du regard des autres. Et à partir du moment où on fait les choses ou pour permettre à quelqu'un d'aller de l'avant ou pour soi-même s'épanouir mieux, alors on cultive la croyance qu'on mérite le meilleur et on l'attire à nous. Voilà, donc si vous avez envie de vous faire plaisir cette semaine aussi, c'est le bon moment. Alors, donc j'ai tiré aussi la carte des synchronicités. Merci aux anges, je me fie à vos conseils et à vos signes qui me parviennent toujours au bon moment. Et elle est tombée avec celle-ci, soutien spirituel. Chers anges, merci de me soutenir dans mon évolution vers une plus grande conscience spirituelle. Voilà, bon, ça correspond assez bien au tirage, je ne les avais pas lus avant.
on a vraiment cette idée, voilà, avec la grande prêtresse, c'est aussi la sagesse qui est enfouie à l'intérieur de nous. Donc on nous demande finalement d'aller nous fier plus à notre intuition, pour ceux à qui ça correspond, de demander de l'aide aux anges, aux guides, etc. Pour pouvoir finalement voir les choses sous un angle plus grand, voir un peu plus la perfection de la vie et comprendre que quand quelque chose est bloqué, c'est parce qu'on a une leçon à apprendre, donc on arrête de fuir, mais par contre on se donne les moyens de faire avancer les choses. Donc c'est une semaine qui doit être quand même dynamique, et c'est une semaine dans laquelle pas mal de gens devraient avoir des opportunités ou d'y voir plus clair, ou de devoir lancer un processus de guérison, ou d'avoir une opportunité qui permette d'évoluer, puisque ben, on a ces synchronicités avec ce fameux équilibre intérieur qui se reflète à l'extérieur. Donc voilà, donc cette semaine, essayez d'être vraiment dans le fait d'aller dans le sens de ce que vous désirez, de ce que vous aimez, et la vie vous aidera à y parvenir. Parce que à partir du moment où on est en vie avec des désirs à l'intérieur de nous qui sont sains, positifs et qui permettent de créer de la joie, bien finalement notre rôle à nous c'est de tout faire pour qu'ils puissent s'épanouir. Voilà, on a vraiment une prise de conscience sur notre rôle à nous dans notre destinée cette semaine, et on a les moyens de le faire et d'avancer. Donc c'est une semaine normalement pleine de mouvements et de bonnes nouvelles, ou au moins de libération. C'est plutôt bien. On avance pas après pas vers la réalisation de ce qu'on souhaite, et quand on a un obstacle sur notre chemin qu'on ne veut pas affronter, ben c'est vrai qu'il a tendance à prendre beaucoup de place. Donc autant essayer de se donner les meilleurs moyens pour y parvenir. Suivre sa voie. Ben voilà. On suit sa propre voie et on donne le droit à chacun d'en faire de même. Je suis la voix que mon cœur me dicte et je reste fidèle à sa vérité. Rien ne m'arrête car je crois en moi et je m'en sers comme force pour avancer. La solution idéale viendra de mon cœur. C'est ce qu'on a avec la carte de la grande prêtresse, hein, c'est ce que je vous disais. La sagesse, elle est à l'intérieur de nous. Si on s'écoute nous, on trouve les réponses et du coup les opportunités arrivent. Alors, peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière et marche avec courage sur le chemin qui mène vers Dieu. Bon, votre pleine réalisation, ce que vous voulez à la place de Dieu. Bon ben voilà, je trouve qu'elle résume plutôt bien le tirage de la semaine. Donc c'est vraiment une semaine où on s'engage envers soi-même, où on rend la liberté à chacun d'être qui il est, et où on prend les événements, les opportunités, on les saisit sans se dire « Ah non, peut-être que je mérite pas, machin », on sort du côté un peu auto-flagellation là. Et quand il y a des choses qui sont un petit peu difficiles, au lieu de les vivre au premier degré en se demandant pourquoi on souffre, ou pourquoi c'est compliqué, on se demande quel est l'enseignement. Et en général, quand on l'a trouvé, après la vie débloque les choses. Mais c'est quand même une semaine où il faut beaucoup s'interroger et s'intérioriser. Et bien voilà, bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.